Aujourd'hui est une nouvelle journée avec mon brouillasse encore. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Jour de finale? Final day, comme on dit en anglais. Payo final, en italien. Hasta la finale, en espagnol? Ouais. Ça va, t'as bien dormi? Franchement, ouais, pas assez. Y'a le mec de la cleaning room qui a osé te déranger. Trois fois. Enfin, après son taf, mais vas-y. Première fois, je veux bien, vas-y. Je lui dis, ouais, je suis en train de dormir, mais il vient toutes les demi-heures en disant, ouais, t'es encore là? Bah ouais, cousin, je suis encore là, c'est le principe d'un hôtel. Surtout, je pense, s'il devait ouvrir la chambre, ça devrait pas sentir très bon. Bah ouais, non, mais quand il voit que c'est fermé et que l'odeur, elle est horrible, c'est que je suis là-dedans. Les amis, c'est le jour de la finale. On se dirige présentement vers la ville. On a quelques heures avant d'aller au stade, donc on va visiter un petit peu. Je vais en profiter pour voir un peu live IRL, visiter un petit peu. Ensuite, on rentre à l'hôtel parce que nous avons un bus qui nous ramène vers le stade olympique Atatürk, qui est le stade, je crois, de la finale 2005. Donc, Istanbul, peut-être, ville de finale européenne. Peut-être gros match, hein, ce soir. Ah, on espère, un match au moins avec un scénario similaire, ce serait absolument dingue. Mais on a bien hâte de voir. Puis là, en attendant, on se balade, on va prendre les transports en commun. On voulait prendre le taxi au début, mais c'est la circulation. Yas, d'après le théorème de Joël et de la liberté des personnes liées à leur envie de faire caca, est-ce que tu es quelqu'un de libre ou pas? Là, je commence à pas être libre. En fait, c'est que chaque matin, moi, j'ai un rituel. Je me réveille et direct, je vais aux toilettes. Direct, un gros caca, comme ça, au moins, je suis tranquille. Mais là, je l'ai pas fait. Pourquoi donc? Bah, parce que déjà, je me suis mal réveillé, j'étais un peu pressé. Donc, vas-y, je l'ai pas fait, j'avais pas envie. Et puis là, bizarrement, 30 minutes plus tard, je commence à avoir envie de pouvoir arriver vite. Dans le Kéka, on se pose à un endroit pépère et je pourrais lâcher mon classique. Mais là, ça va, c'est supportable, c'est pas comme à Tokyo. Hein. À Tokyo, on était à la limite. Tokyo, gros, encore franchement, encore 5 minutes et je pense que je me posais sur le bas-côté ou comme ça, en discret et chier dans la rue. Vraiment, j'avais peur qu'à Istanbul, il fasse pas très 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 beau. Parce qu'on m'a dit que c'était aléatoire. Alors, autant hier, c'était pas le big kiff. Autant là, il fait vraiment chaud. Hein. Les conditions sont bonnes. J'ai envie de voir des fans de City, des fans de l'Inter. J'ai déjà vu l'heure midi. Ils sont pas beaucoup à être réveillés. Ah si. Je pense qu'ils sont réveillés, ils sont déjà au bar. Ah tu penses qu'on est déjà à fond là? Parce que moi j'ai vu quelques images de l'anglais qu'on a rencontré hier et ils sont restés jusqu'à tard. Hein. Sur Insta j'ai vu 2-3 vérités, les mecs ils se sont mis bien. C'est un jour qu'ils attendent depuis un milliard d'années, je pense que là ils vont se la donner à fond. Vas-y, rentre sur le terrain ce soir, tu fais un petit envahissement, tu manges genre un petit 48 heures de garde à vue et t'es sur le territoire. Tu filmes pour moi si je rentre sur le terrain? Ouais. 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 Jure. Ouais, ça fait du content, ça fera des vues. Ça fait des vues? Ouais. C'était un youtubeur, il avait fait ça, comment il s'appelait Final 2014, je crois. Vitalik, ouais. Vitali, et je sais plus ce qu'il avait mangé comme sanction, lui. C'était une finale 2014, je crois. Même, et il avait. Et, lui, il s'était fait bannir des stades d'Europe, et je crois qu'après, tu sais, il y avait une meuf qui avait envahi le stade à un moment, et c'était. Et je crois que c'était une meuf de son groupe. Welcome mon broyas. Le fait que je crois que je connais ici. Avec Camille, je crois on est déjà venu, on avait traversé et là en vrai ça a tué sa mère. Si normalement on traverse et qu'on descend à gauche sur un truc qui vend le Viscrandeur. Si c'est là où, si c'est l'endroit que je connais. On est à Eminönü. Tu sais c'est quoi Eminönü? Non, c'est quartier. Le quartier un peu de la vieille ville. Mais je crois vraiment que c'est ça. Avec comment regarde, ça en haut là, mosquée. Il y a toutes les grandes mosquées ici, il y a tous les grands édifices, les grands trucs. Ça me dit un truc. On va voir 2-3 bails, on se balade un petit peu. On traverse ou... Non, on retraverse pas, on va aller dans le coin. Voilà. Ah, de l'autre côté. Traverser, moi. Ah non, mais on va aller bien, on va voir vite fait sur les quais. Regardez-moi ça. Vous êtes sur une bonne place. Les édifices de partout. Il y a un pont juste là et en dessous du pont, t'as là les restos. On va aller voir ça. T'as faim? Non, c'est que je me filme, parce que c'est ma chaîne. Porte-moi plus attention. Passe, toi. Mais toi, t'es le pire cadreur, toi. Toi, faut pas te faire confiance. Toi, c'est la leçon que je retire. Faut pas te faire confiance. Elle est lourde, ta caméra, n'empêche, hein, putain. T'as vu ce que je porte toute la journée? Ah, j'ai faim, là, on va aller manger. Bah oui, on va aller voir là. Voir s'il y a de quoi dry un petit peu. Mais oui. Ensuite, on va aller acheter des bails. Petit live IRL et direction le stade. Il y a des pêcheurs en haut. Ils arrivent à attraper des choses. T'as dit quoi? Pêcherman 42 ou à la Biway Sydney. Tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. C'est l'adresse dans Nemo du masque. Putain, mais frère, t'as des vrais rêves? Ah, gros, c'est une grosse ref là que je t'ai sorti. Bah ouais, t'as des vrais rêves. Là, bon, je vais te grailler un sandwich. C'est tellement dommage que t'aimes pas le poisson, mon frère. Non, mais j'aime bien. On est au Bosphore, on a une belle vue. C'est moi la belle vue. Toi, t'es beau. Hein. Ah, bien sûr que je suis beau. Ouais. T'es beau garçon. Hein. Fait agréable. Jour de finale. Some fried calamari, please. One calamari. One calamari. I'm gonna take one chicken schnitzel, please. One chicken schnitzel, okay. No. Sorry. Chicken schnitzel. T'avoue que c'est. Il va pas prendre un schnitzel quand même. Hot sauce tomate. On fait one pop for this, okay.
And I take yes, please. Okay. And one Pepsi Max. J'ai écouté dans le bus un classique. T'as écouté quoi? De Caris. Un freestyle qu'il avait fait sur Skyrock. Ah, il voit pas. Vous tapez sur SoundCloud. Caris Kim Jong 2, mon gars, incroyable. Kim Jong 2. C'est 2 minutes de pure punchline. La dernière fois, je l'ai fait écouter dans le chat. Ils m'ont dit ouais, mais ça, c'est du rap de vieillard et tout. Ça y est, c'est plein à mode. Je fais bah oui, en même temps, les gars, Caris, c'était en 2010, quoi. Ça, c'est ton entrée, ça? Ouais, c'est de la sauce tomate avec des trucs. Tu veux goûter? Ouais. Ça, après, il y a les calamars qui arrivent, les plats. C'est bon? Ouais. Gros, ça tue, moi, je trouve. Ah, t'as des montants. Les frères turcs, je vous l'ai dit, et je le sais depuis un long moment, mais vous maîtrisez les saveurs culinaires comme peu de peuple. Vous êtes très bons. Gaïas encore qui n'aime pas la friture, découvre le calamar frit. Bon, ça va. Non, la friture, j'aime bien. Faut juste doser, quoi. Enfin, c'est bonne gueule, hein. Mange ton truc. Alors, tu dégustes, hein. Petit jus de pipi. Baril. Vas-y, petit jus de pisse, vas-y, envoie. Vas-y, envoie un peu de pisse. Alors? Ça, mon pote, c'est du sérieux, y'en a plein qui kiffent pas l'agneau, moi je kiffe ma race. L'agneau, c'est... T'aimes bien le mouton ou pas? Incroyable. Les gens qui arrivent et qui disent le mouton, c'est fort. Mais tu sais que ça, c'est pas misogyne ce que je vais dire. Ma phrase commence très mal, mais... Vraiment, déjà, ta phrase... Viens, on la refait. Juste, apparemment, la viande de mouton, je sais pas pourquoi, c'est beaucoup les filles qui n'aiment pas ça. Oh bon? Mais t'as une force, elle est douteuse, hein. Ketchup, moi j'ai dit Émile Zola, dit j'accuse, moi j'ai dit je m'excuse. Je disais que c'était pour les enfants, en fait c'est trop incroyable le ketchup. Allez, on graille et on va se balader. Oh. Là on est dans de la galerie, mon pote. Couleur c'est bruit. Inter. Inter ou City? Je te parle pas de qui tu penses va gagner, je te parle de pour qui t'es toi. Bah moi j'ai dit Inter, je veux pas les voir gagner parce qu'ils ont accueilli la fraude Marco Materazzi. Et City, ça me ferait... Pff, en fait dans les deux cas ça me ferait mal au cœur pour les deux. Toi tu veux un match nul toi, Brutti? Bah moi j'aimerais que la gagne. Tu veux un petit t-shirt Tupac, Thug Life en haut? Ouais bah je suis en route là, je suis déjà en train de le prendre. Bah ces ambiances de sous comme ça là, immense. Bien, c'est blindé, ça a de la gueule. La grosse galerie marchande un samedi après Du pain. Un petit maillot Chalhanoglu ou alors pire, un petit Spider-Man. Il est curieux le Spider-Man. Il a des poses un peu cheloues. Donc là on arrive dans les endroits un peu plus intéressants de la vieille ville et vous connaissez les visites. Je m'en serais voulu de pas vous montrer quelques trucs un peu historiques. Et regardez. Allez viens Yass, viens. Faut qu'on regarde des choses comme ça. Regarde cette majesté devant toi frère. Oh, c'est beau hein. Joli hein. Ouais. Regarde le côté souk. Là, il y a le grand bazar d'Istanbul. Ah, tu vas encore te faire bait avec des glaces là-bas? Non, ça va aller, j'ai donné. Oh là 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 là. Yass, tu te rappelles dans quel quartier on est? Eminonu. Eh ouais, mon gars. Je m'en rappelle. Eminonu. Là, on va lancer le live IRL, mais juste avant, on va acheter quoi? Des loukoums. Eh ouais, mon frère. T'as des collègues d'ESPN? Ouais, au Qatar, je les avais croisés. Je suis passé devant leur caméra et ils m'ont... Ils t'ont insulté? Ouais. Parce que je suis passé devant, j'ai fait... Aaah! Les mecs ils m'ont dit fucking idiot. Il m'a dit ouais ça fait 40 minutes que j'essaye de tourner et j'y arrive pas à cause de mongol comme toi. Donc j'espère que je vais le recroiser. Est-ce que tu penses que t'es ce qu'on appelle un refri? Je suis un mec débile moi. Tiens regarde, je te donne la caméra, filme. Fais une séquence, peu importe. Attends, ah ça tourne là? Ah, ça tourne, je vais faire un plan là. Je lui ai dit tiens la caméra, fais-toi plaisir. Non mais le monteur il va faire un truc stylé comme la dernière fois. Istanbul c'est connu pour ses fameux loukoums, pour ses spécialités. Et ah, c'est là. On m'a dit que les meilleurs c'était ici. Ali Mouhidoun. On m'a dit que là c'était du sérieux. Et ben on va vérifier nous-mêmes. Là, il y a du bail. Ça t'inspire pas ça? Non mais ça fait rien, t'as fait un russe. Pas du tout. Pas du tout. Moi je vais aller voir des choses. Regardez cette majesté. Oh là 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 là. Yass, si t'as fait goûter, t'as pas aimé? J'ai pas goûté moi. T'as pas goûté? Bah non, parce que je sais que j'aime pas. T'as l'air de démonter quand même, hein. Moi je trouve que ça démonte. Faut aussi des assortiments comme ça. Je pense que l'assortiment c'est ce qui m'arrange le plus. Ouais, je pense que ça va partir sur ça, hein. Franchement, je trouve ça nickel. Regardez ce paillot là. Ça va tout simplement. Bon, écoute. En vrai, En vrai, j'ai confiance en lui là. T'as confiance? Ouais. On va 25 balles, faire ta confiance, mon pote. Oh putain, c'est cher! Ah ouais! Il est en train de montrer, les gars, il est en train de faire un bon truc! Ah, regardez le travail, les gars! Et en plus, regardez pour la vidéo, il y a des frérots qu'on a rencontrés à Istanbul, ça va quoi, mon gars? Mon gars! Ça va? Amine, mon frérot! Bilan de la coupe de Yass! T'es bel homme là, hein? Ouais. Alors, il y a Zach, il est en train de stream là, ouais. En IRL, donc c'est moi qui prends le relais, j'espère que vous êtes contents. Donc là, c'est la. C'est quoi?
C'est Hagia Sophia, la mosquée Sainte-Sophie. C'est la mosquée Sainte-Sophie, je crois que c'est la mosquée la plus connue d'Istanbul, c'est ça? Et ça, c'est ma tête avec mon nouveau dégradé. Et à côté... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de mon dégradé, les gars. Moi, je me trouve plutôt beau gosse, marrant, pertinent. Regardez un peu tout ça. Il y a du monde à Istanbul, c'est lourd. D'ailleurs, petite anecdote, Sony a avancé le live, avancé le départ. Et donc, du coup, on doit partir tout de suite pour l'hôtel. Mais bon, vu qu'on est arrivé dans l'endroit où il y a les trucs historiques, on va pas gâcher notre plaisir. On va aller faire un petit tour, puis on se débrouillera pour aller au stade. Mais on commence à croiser des fans, et ça, c'est lourd. Regardez ça. Voilà, et là, regarde, juste à droite l'édifice. T'es beau, hein? Bah oui, je suis beau. Le live IRL était comment? Très agaçant à la fin, vu qu'on a cherché un taxi pendant approximativement une heure. Eh les gars, vraiment, Istanbul niveau trafic, c'est compliqué, hein? En gros, j'étais aigri au max. Tu te rends compte que tu vas qu'on est en route pour la finale de LDC? Là, j'ai trop hâte. Vraiment, les gars, extrêmement hypé. Ça me fait trop plaisir. Ouais. En plus, on a bien le temps de se poser et tout. Le match, il commence 4 heures. On va se régaler. On va vous faire vivre ça. Les amis, j'ai pris la petite caméra pour nous suivre pour la finale de LDC. On est arrivé. Bon, ça va être difficile de vous émouvoir sur ça parce qu'on s'arrête de finale de LDC, donc on s'en bat les couilles. Mais on a mis 3 heures. 3 heures. C'est un délire, frère. Et je suis avec Yas. Salut, les gars, je suis en train de stream. Alors, c'était bien le but? Oh bah ouais, 3 heures c'était bien ouais. Ouais, 3 heures pour faire 10 bornes. Bon, c'est pas grave, il y avait du monde, le principal c'est qu'on reste là. Et là derrière moi, vous voyez ça et vous dites, mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un feu, littéralement à quelques kilomètres du stade. Le stade qui est devant moi et que je vais vous montrer. Et en plus, la fumée va vers le stade, je rigole même pas. Regardez, je vais vous montrer ça. Regardez, et ça va jusqu'au stade, au-dessus, là-bas. On va aller au village PlayStation, on va aller s'amuser un peu, prendre un peu de temps, et ensuite je vous ferai vivre l'ambiance du match, on va retrouver Bruce et Braque, on va s'amuser. Là j'ai envie de profiter, tu vois, j'ai envie de kiffer. Le match se passe au stade olympique Atatürk, un stade qui a reçu beaucoup de grandes confrontations, qui est un petit peu vieillot. C'est pas le genre de stade que je préfère, tu sais, c'est avec piste d'athlétisme et tout ça, mais qui du coup a, il me semble, hosté la finale de 2005, et plein de joyeuseté comme ça. Un petit peu vieillot, on m'a dit, même les Turcs, ils m'ont dit, ouais, le stade de Galatasaray, et tout ça machin, il est meilleur, chose que je ne doute pas. Mais ça fait plaisir parce que il y a 18 ans, il y avait eu un scénario iconique ici. Ce serait quand même grand de le revivre. Donc là, on va pouvoir rentrer un peu au Champions League Village. J'avoue, le côté un peu privilégié de la chose fait plaisir. Merci à PlayStation. Mais là, on va pouvoir se poser, voir les autres. Regardez ça, Istanbul 2023 finale. Welcome to the Champions Village, juste à côté du stade qui est lui ici. Et là, on arrive enfin. Eh hey, mon gars, yes, viens, j'ai les frissons là, frère, regarde. Incroyable. Oh là là. Voici le Champions League Village. Vous vous doutez bien que tous ceux qui ont des accrèdes via des marques, via des machins, c'est tout ici. En fait, comme tout événement sportif, il y a beaucoup de gens invités, ok, par des marques, des entreprises, des partenaires, les clubs eux-mêmes. Donc ça donne beaucoup de choses. Ça donne des connards comme moi. Et puis ça donne des gens qui découvrent et qui peuplent l'endroit. Who's going to win? Allez. C'est serré. 952-819. 953. Je pense Manchester City. Il y a un truc Pep City. Pep City, je crois que c'est par Pepsi. C'est marqué PepsiCo, Pepsi & Co. Et là, il y a de quoi aller boire un petit verre, se poser, kiffer. J'essaie de trouver Bruce et Braque. J'ai envie de trouver Bruce et Braque, forcément. Vivre des moments avec eux. Il y a des shops, il y a tout ce qu'il faut. Regardez ça. J'ai déjà perdu ce tocard de Yas. Et j'ai eu des news. Les frérots sont dans la tente PlayStation. Que voici. Oh, le petit hélico. Et on va rentrer là. On va voir un peu, ça dit quoi à l'intérieur? Il y a d'y avoir une bonne ambiance. Bah là on est... Là il y a une certaine ambiance les amis. Oh non mais c'est une boîte de nuit ce truc. Ok, là c'est blindé. La possibilité de faire des Manchester City. Bon, tu te doutes bien, je vais pas tout te faire hein. Je vais pas te dire ouais là c'est les chiottes. Moi ce que je veux retrouver c'est les frères. Voir des gens se gaver. C'est pas ce qui m'intéresse. Je vais aller voir tout ça. Mon but est atteint. J'ai retrouvé. Bonjour monsieur Boumé. Bonjour monsieur. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oh la luminosité là. T'as vu? C'est un peu difficile celle-là. Hein. T'avais tellement faim là. T'avais déjà vu son micro là? Il est gros hein. Mais regarde, mais tu l'as mangé ou quoi? C'est Aneta, c'est mon chat. Ah ok. Eh oui, tu crois que je l'ai pas mangé? Il y a des traces de peinture et elle a mis des coups de griffe. Ça va quoi? Comment vas-tu? Tranquillement. Dans la forme. Passe un bon moment. On va essayer de gratter une manette avec Boumé là. Il y a une manette à gagner. Si tu mets un but aux deux finalistes. T'es finaliste de la Ligue Champions League. T'es en train de s'adonner. Ok, je vois. Et il y a Bruce qui est passé avant, il a réussi à mettre un but. Donc Il y a une manette.
il a gagné une manette qui vaut genre 200 euros. D'ailleurs, je le vois, Bruce, il est là. Oh là là là. Je veux aller voir Bruce. Aïe 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 aïe. Oh, le champion. Mais bon, messieurs, putain. Ça va les gars? Ça va, ça va. Ouais. Vous avez passé une bonne journée? Ouais. Ça va, on a gratté 2-3 trucs ici, ça va. T'as gagné une manette à 200 balles, on m'a dit. J'ai gagné une manette, ouais, vaut 250, je crois. Non, ils t'enverront. Ah, je suis bien. J'étais à deux doigts de la gagner aussi. Eh, hey, on est à 2h du match. Ouais. Concrètement, le score? Moi, je dis 1-0 pour l'Inter. Ouais, ça y est, je me suis décidé, ça y est. C'est les caméras, ça. Non, 1-0 pour l'Inter. Bruce, je t'annonce un 3-0 pour City. Aïe. 1-0 à la mi-temps. Moi, je dis 2-0 City. Avec les petits maillots, regardez Mason Mount. Celui de Beckham, il est extraordinaire. Bon, c'est pas mal, cette petite tente PlayStation. J'ai gravate de voir l'intérieur du stade. Ouais. Et l'ambiance. T'as vu le stade de l'extérieur, il est stylé quand même. De l'extérieur, il est stylé. En fait, quand tu regardes les photos de l'intérieur, genre, regarde le monteur, si tu veux mettre quelques photos de l'intérieur, c'est pas très joli. C'est moins bien. Mais vas-y, on va voir, Putain, mais mec, qu'est-ce qui s'est passé? 3-0. Oh la flamme, là. C'est pas grave, on se plaint pas, on est là pour appuyer. Bien sûr, on se plaint pas. Ça va être fou. Ah bon, attends, mais c'est... Je crois qu'on va faire 2 assises. Il va falloir faire 2-3 tours. Ah ouais, mais attends, mais c'est braque de la... de la haute. C'est braque de la Normandie, là. Ah ouais, on c'est arrive, brusque de la haute également, est-ce que je vois? Regarde, petit set, tu sais, de Camargue. Ah ouais, mais tu... on se refuse une. Ah non, rien du tout. Ah ouais, les privilèges. Allez, je vais prendre ça aussi. Je suis pas habitué de ce genre d'invitation. Profitons. Essayons les choses qui sont à notre disposition. Dis-toi Bruce, il y a des gens dans le monde, ils aiment pas l'agneau. Et là, vu que c'est de la bonne viande, ça va. T'aimes bien l'agneau? C'est pas ce que je préfère à la base. T'aimes le mouton ou pas? Non. Le mouton, ça démonte, vous. J'aime pas. L'odeur, en fait, j'ai du mal. Braque, t'aimes bien le mouton ou pas? Ouais, le mouton, franchement, c'est bon. Tu te rattrapes. Avec le gros sac ou pas? On va pas te priver. Hein. Regardez, je retrouve qui? Ah bon, Braque? Quoi? Ah bon? Ah ouais. Ah ouais, toi t'es dans tous les terrains toi. Non mais en fait c'est mes commis, je les gère. Toi t'es partout toi. C'est quoi tout au fond là-bas? Là-bas, je crois que c'est du... c'est un truc avec de la crème, ça a l'air ultra bon. Mon frère Bruce, j'avais une question. Pendant qu'on est en train de manger tout ça, ça fait vraiment toi archi longtemps t'es là. Ça marche toujours bien, tu kiffes toujours. Tu vois faire encore du contenu longtemps ou pas? Vu que t'es un des premiers, vu que t'as fait joueur pro, tu veux me mettre vu à que la t'as fait crème. Des vidéos, des streams. Non, je demande, est-ce que toi, de toi-même, tu te vois encore avoir cette vie longtemps? En vrai, j'en sais rien, parce que depuis le début, comme je dis tout le temps, j'avais rien programmé. J'ai fait de la compète, je pensais faire ça juste pour m'amuser, tu vois. Je savais pas que derrière, j'allais réussir à en vivre. Et ça m'a amené jusque-là, quasi. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, quasiment. Là, bon, je pense que je suis plus proche de la fin que du début. Mais en vrai, tu vois, streamer et tout, je kiffe de fou. Surtout l'interaction avec le chat, etc. Donc, pour le moment, tu vois, j'ai pas de lassitude à ce niveau-là. C'est ce que je préfère faire. Donc on va dire tant qu'il y a l'envie et tant que je peux continuer à en vivre, parce que peut-être à un moment ce sera plus compliqué, je me vois pas arrêter. Après, je suis incapable en vrai de te dire, parce que j'ai jamais pu programmer quoi que ce soit. Ouais, tu t'es jamais projeté. Je kiffe, ça se passe plutôt bien, donc on verra le moment venu quoi, tu vois. Énervé. Je vais te poser cette question. Je commence à me faire vieux, du coup on me pose souvent la question, ces derniers temps c'est pas bon signe. Bah en fait t'es un OG, tu vois, t'es quelqu'un qui a été là dans la scène depuis des années, donc forcément tu sais. Maintenant qu'il y a des gens qui font ce métier depuis 10 ans, des trucs comme ça, tu sais, on se pose la question. À toi, mine de rien, ça fait longtemps. Ça fait 8 ans, frère. T'es un ancien, toi aussi. Je suis un ancien, les gars. Bon, on a bien mangé, on a bien parlé, on a bien rigolé, mais je vous dois quelque chose. Essayez de vous faire ressentir l'ambiance et l'atmosphère de cette finale du mieux que je peux. On va aller au stade. Yass est en train de live. Les autres finissent de manger, de se faire plaisir. Et nous, on va rentrer dès maintenant. Et le stade a l'air déjà plein. On est plus d'une heure avant le coup d'envoi, regardez. Il envoie quand même de l'extérieur. Comme on a dit, pas mal. On va rentrer gentiment, découvrir notre place. Et surtout, j'ai envie de voir des drapeaux, j'ai envie de voir des chants. Je sais que les supporters italiens sont très chauds. Je sais que les supporters anglais sont plus un peu moins organisés en termes d'ultra, fans, chants, tambours. Mais tout le monde vit le match à 100%. J'ai envie de voir qui va mettre la plus grosse pression. Ça continue de rentrer, il y a du monde partout. Ah, ça régale. J'arrive pas à croire ce que je vis, c'est ouf. Il y a du monde partout, ça fait kiffer. On va pouvoir aller regarder tout ça. Si, regardez ça. But it's two of those teams' greatest rivals that will be taken to the field tonight. Booker Kambi Stadium. Out of football. Les amis, c'est magnifique. Juste derrière, il y a les fans italiens, donc on est un peu plus côté Inter. Il y a les fans de City là-bas avec le bleu bien ciel. Et surtout, on est au rang 10. Là, regardez où on est. Rang 38. Après, être trop devant, c'est pas bon non plus. C'est pas ce que je préfère, mais...
revoir ça. Eh, franchement, j'ai mal parlé du stade, mais il me rappelle celui de la Ligue des Champions Asiatiques. Et franchement, il envoie. Genre, j'avais dit, il avait l'air un peu vieillot sur les photos et tout. Je sais pas si ce que je vais prendre comme image lui rend honneur. Franchement, il a meilleure allure que ce que je pensais. Genre, ça, c'est un stade de finale. Bon, il y a forcément le côté piste d'athlétisme, c'est pas ce que je préfère. Mais ça envoie, regardez. Il y a l'échauffement des gardiens qui est arrivé, regardez. Les fans de l'Inter. Oh, les Anglais, c'est du bon de la voix. Vous savez quoi? Tout le monde n'est pas encore rentré, on va en profiter. On va aller voir d'un peu plus près les Anglais. On va essayer de leur rendre un petit peu le bail. Et dire qu'après, on va devoir faire le match. J'ai envie d'un premier but de l'Inter. Et après, qu'il se passe ce qu'il se passe. City, peu importe, je m'en fous. Même si je pense que City va gagner. J'aimerais bien que City gagne pour le travail de Guardiola. Ce qu'il a fait, révolutionner dans le jeu de son équipe depuis des années. 2021 avec les ailiers. Enfin, 2019 avec les ailiers bon pied. Sterling, Sané. 2021, le faux neuf. Cette année avec les double pivots et tout. Stones dans le milieu. Pas de latéraux à proprement parler, c'est ouf. Donc voici les Anglais. Entrée des joueurs de l'Inter. Je suis éloigné au mauvais moment. L'entrée des joueurs de l'Inter. Mais il devrait y avoir l'entrée des joueurs de City. Donc on va être bien placé pour l'entrée des joueurs de City. Et là c'est cool. Ça fait un peu comme les matchs nationaux. Il y a des fans de City et de l'Inter mélangés, il n'y a pas de problème, ça c'est cool. Oh hey, c'est exceptionnel. Je confirme ce que je disais, ce stade est prêt pour accueillir une finale. Ça, c'est un stade de finale, ça, tu vois. Il y a l'ambiance. Je crois qu'il va y avoir le rentrée de City. Je m'en doutais pour l'instant, parce que voilà, les Anglais, ils participent plus, ils ont moins de chants. Et les supporters de l'Inter sont un million de fois plus chauds pour l'instant. Sur ça que là, je capte l'entrée des joueurs de City. Je veux voir ça a donné quoi côté anglais. Ils sont juste là. Je suis à la bonne place. Malheureusement, je crois que vous avez pu l'entendre, j'ai pris le plan à l'iPhone pour que vous puissiez mieux voir. Ils se sont fait éteindre par les Italiens. Mais c'est agréable de voir, j'aime bien. Ils ont l'air bon délire, regardez. Avec les drapeaux et tout, c'est très joli. Et c'est la première fois que je vais voir un match de Manchester City en dehors d'un match contre l'OL. Quand j'étais allé en 2018-2019. Mais là, c'est joli. Il y a bien fini, juste là. Lautaro! Con il numero 15, Francesco! Con il numero 20, Hagan! On est au devant d'une grande soirée! J'ai jamais été fan des cérémonies de lancement et tout. On va voir si en vrai mon avis change ou pas. Cérémonie de lancement, t'aimes bien ou pas? Je pense que ton avis va changer. Il y a moyen, peut-être. C'est qui le mec qui chante? L'ambiance toi mon pote. Bah c'est bien, mais c'est qui le mec qui chante? Aucune idée. On préfère l'après, nous. Mais il nous faut la vraie. Elle est où la vraie? La vraie, c'est la vraie, merci. Ah,
sens floué. Je me sens floué. Hey, Bruce, je me sens floué. C'était la version avec le micro là qui nous ont mis. Il y avait rien. Hey, ils ont eu leur première occasion, mais stressé un peu, City. Ils ont du mal à se libérer là, ça va peut-être les gêner un peu. Quasiment. Les gars, j'ai vu la lumière. Braque, t'avais raison. L'Inter gagne 1-0. Non, sérieux? J'ai vu la lumière. 42e minute, c'est filmé, comme ça je pourrais pas. Fin de la première mi-temps. Casse. Ouais. Impression. Bah ma foi, en vrai, il n'y a pas eu de casse, mais je trouve que ça, le match il est rythmé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en vrai, on aurait pu s'attendre quand même à un poil plus de spectacle. Mais il y a eu pire. T'es dedans mon braque hein. Pardon. T'es dedans mon braque. Il a des raisons d'y être. Je suis dans ma finale. Tu vois bien qu'il se passe un truc Zach, tu vois. Je le sens. Et il se passe un truc. Grosse occasion de l'Inter. L'Inter est en train de laisser passer sa chance. Ah ouais tu penses? Là ils ont eu des opportunités, on a les marques là. Vous êtes en train d'assister à l'ADN anglais messieurs, le choke. Et vous êtes en train d'assister à ça en direct là. Ils ont laissé passer leur chance sur les deux situations. C'est oh le footy grand fan de Drake. Il veut le sens du timing hein. Alors comme ça on rate le but. Gros c'est une dinguerie. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Ah non je l'ai pas vu. Putain. Ah on a fait 4 heures de vol pour pas voir le but. Les amis, la cérémonie est en train d'avoir lieu en fond. On est malheureusement derrière mais c'était vraiment un match de fou. Et j'espère que vous avez pu vivre un peu l'ambiance et voir un peu le rendu. Une réaction à chaud sur le match. La vérité, City a pas été ouf du tout. L'Inter a loupé le coche, Lukaku, tout ça et les occasions. Ils étaient prenables et c'était la condition pour l'Inter ait une chance, mais ils ont déconné. Le moment où t'as dit, ils ont laissé passer leur chance. City, ils ont gagné salement, mais on va dire que pour les saisons passées, leur saison aussi, ils méritaient peut-être enfin leur équipe. Ouais, de ouf. Moi, même moi, Ederson, félicitations. Trois quarts du match pas ouf, mais à la fin tellement décisif que bravo. Non, ça mérite le respect. Yes. Une réaction de quoi de match, t'as raté le seul but. Ouais, j'aurais kiffé que l'Inter le fasse. Parce que l'égalisation, mais Ederson, après, était sur lui, donc bon. Mais Lukaku, c'est un assassin. Le braquage qui s'est pas passé. Ouais, j'ai essayé, hein. Franchement, j'ai essayé de le faire passer encore une fois. Mais franchement, je suis pas déçu de l'Inter, ils sont quand même bien battus et City c'est quand même dur de les choper hein, franchement. Après ils ont eu de la réussite quand même City, hein. Pas mal de réussite. Félicitations à City, merci à PlayStation pour l'invitation, exceptionnel, ça fait très plaisir. C'était une belle avec le gars Jérôme, merci. À l'année prochaine hein. Sérieux, à très vite. À l'année prochaine. Sérieusement, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les deux vidéos même. Puis on vous laisse sur cette fin. Au revoir.